Ils sont bloqués, s'il y a une faille encore. Est-ce que ça va la prendre? Ça les reprend en boucle. Oh, bienvenue dans l'équipe de Blue. Encore. Oh, le turn. Ça vient pas de moi. Pas de moi. Comme ça va. Ouais, j'ai eu peur, on est avec. J'ai vu la jambe comme ça là. Hello! Bien ou pas? Ça va bien? Salut, ça va? Ça va bien? Ouais, ça va bien? Ça va. Wesh, l'équipe! Ça va bien? Inscription, les travaux finis! Allez, c'est pas fini! Salut, ça va ou quoi? Non, ça va? Ça va bien? Bien ou quoi? Ça va? Bon alors? Ça va? On va voir ce décor! On va voir si on est au niveau! T'es toujours au niveau, frérot! Non Armand, faut que je te suce la bite, gros. Oh. Non Armand, non franchement, faut que je suce Armand là. Non Armand, non franchement, je vais te marier. Ah. Non Armand, c'est une folie. Non mais hé, Armand. Ça va tout le monde, salut tout le monde. Non mais hé, quand même. Hé, Armand. Armand il est chaud quand même. Ouais. Hey, il a mis tout le monde d'accord là. Armand il m'a mis d'accord. Oh la dalle. Oh, c'est Fortnite IRL frère. Oh, oh la dalle. Elle est stylée la cup. Ouais, la coupe de France frérot. Non en vrai elle est lourde. Tu sais qu'elle est vraiment dard hein. Oh c'est trop bien, t'as mis les maisons à travers les fenêtres. C'est illuminé. Jeff, you Jeff. Jeff crack hein. Crackito, là ce soir on a qu'une équipe de crack en fait je pense. Putain même la supérette elle est trop stylée. Mais on va la voir en live et tout. Oh la singerie frérot. Oh la dinguerie frère. Mec ils sont au max dans la supérette là. Putain j'ai trop hâte de voir les plans cam là. On a refait Fortnite IRL. J'adore la vie sa mère, j'adore. Putain la banane j'avais pas vu frère. Dans la banane. Dans la banane j'avais même pas vu. Tu sais que la banane c'est une masterclass. Non mais la banane c'est rare. Ah là il m'a mis sous le choc celui-là frérot. Quand t'auras la belle lumière, la belle colo là ça sera. Ça rendra. Ouais quand tout sera fini ça va être pipi. Ils vont corriger le tu sais sur ce plan là, le noir là-haut là. Non, ils vont pas vous voir je crois. Le noir. Les détails noirs, tu sais en haut. Ouais je vois ce que tu veux dire. Ah en fait, oui. Le truc que tu fais c'est de relever un peu la canne et la piquer un peu tu vois. Ouais, si t'arrives qu'on n'ait pas le noir, ce serait pas mal. Peut-être on peut décaler un peu la feuille, tu vois. Si on décale la feuille de décor avec les fenêtres, on la décolle un peu sur la droite. Ouais, mais faut pas que ça gêne pour l'autre plan du coup. C'est ça. C'est pas mal là. Si t'arrives à faire que ça gêne pas pour l'autre plan et que pour celui-là ça marche, parfait. Yes. Baisser un petit peu comme t'as dit là. Comme ça au moins tu t'esquives la lumière aussi là-haut là. Ouais. Et le plan cup c'est quoi? Ok. Est-ce qu'on peut en avoir un plus stylé ou pas? Tu veux quoi? Dis-moi. Je sais pas comment on peut la rendre mieux. Parce que là quand ça va commencer, la cam elle va tourner autour de la cup, c'est juste. Alors, ce plan. Moi j'ai ce plan là en backup au cas où, mais sinon j'ai mon stead qui est là. Et il vient la chercher, il vient l'enrouler et tout, tu vois. Ok bah celui-là faut utiliser celui du stead alors. Ok ça marche. Bah avant que ça commence, bah tout à l'heure là dans une heure tu ouais. Montes ça rend comment au stead je te dirais. De toute façon ouais pendant la répète elle sont 30 de toute façon. Ouais. Mais franchement lourd les gars. Tu veux une tablette pour le chat t'as une maison. Yes. Et derrière les maisons, c'est des vidéos ou pas? Non. C'est des PNG? Ouais. Ah d'accord ok. C'est bien j'aurais joué voulu en vrai. Avoir des mecs qui j'aurais passent. Voulu avoir des mecs qui passent dans les fenêtres mais bon. Ça aurait été incroyable mais bon on n'a pas le budget les gars. Merci les gars, je compte sur vous pour assurer. J'ai pas de doute, on est habitué. Ouais. Frérot, on a une vraie équipe. Eux, ils sont toujours à l'affût. Ah ouais. Bon, pour un live, hein, celle-là, ouais, elle va finir chez nous. Non. Ah ouais, non, non. Ah ouais, Bédia. On demandera à Michel d'agrandir le studio, hein, malheureusement. On va devoir casser un mur. On va devoir casser des murs. Hein. Mec, il y a quand même. On doit être plus dans une trentaine de personnes pour un live. Là. Je crois qu'on est 25. Pour un live de jeux vidéo de nerd à 12 ans qui joue dans sa chambre. Franchement, on est pas mal pour un live là, les gars. Elle est loin l'époque où tu jouais. Elle est loin l'époque où on jouait chez nous avec un casque Triton là. On verra si je me fais péter le sion, frère. J'espère pas. Putain, la dinguerie, frère. Rêve de gosse, hein. Encore une fois, je réalise encore un rêve de gosse. C'est de la folie. Frérot, t'es trop fort. Vous êtes trop fort, les gars. Je suis sous le choc. Déjà, avec Minecraft, tu m'avais mis une petite bastos. Mais là, on est déçu. 3 jours de plus. Là, t'es déçu, là? Tu te fous de ma gueule. On les a lancés, on les a pas finis, on s'est dit, on n'a pas le temps. Non, mais c'est trop bien parce que t'es comme moi. C'est-à-dire, quand c'est toi qui fais un truc, t'es jamais satisfait. Non. Mais là, moi, mec, je vois. Non, c'est cool. Big up, c'est incroyable. Cool, mais on aurait pu.
Oh là, c'est digne des Disney. Hein. Je vais à Disneyland Paris, je rentre ici dans l'allée, c'est Disneyland. Ah ouais, mais carrément. Par contre, tu y es et tout, et les gens, ils arrêtent pas de rentrer et sortir depuis ce matin. Mais t'as eu des bonnes idées là avec les fenêtres. Moi, j'avais pas eu cette idée, tu vois. Ouais, bah pour donner de la profondeur. Franchement, mec, c'est une dinguerie l'idée de mettre des salles derrière. C'est une folie. Eh, t'as vu Charles? C'est une dinguerie. Quand Polo, il m'assure. Quand il rentre, il fait ouais, ça va gros. Et qu'il regarde comme ça, je me dis ok, c'est bon, c'est réussi alors. Ah, bon. Les gars, faut qu'on sorte. Ah bon, bah désolé, allez, on laisse bosser. Merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup. C'est le moment là, malheureux, on y est, malheureux. Il est là. T'es prêt, laser? Ok, il est là, en face, il descend en bas. Interne, dans la porte. Retourne dans la porte, retourne dans la porte. Okay. Non, je suis pas il. Si je t'en parle, c'est que je sais qu'il y a que toi qui peux réussir à le faire. Oh, mais comment faire mes chers? Je kifferais faire un événement IRL comme tu l'as dit, mais où tout le monde peut partir. Allez, deux morts. Que ce soit des streamers, des mecs dans leur chambre, Calif et les meilleurs de France, ils savent. Et c'est la Coupe de France. La Coupe de France. La Coupe de France de Fortnite organisée par InoxTag. Moins 17. J'ai moins 37. Inter, le deuxième là, j'ai pas de clé. Nice, Barta, je pense. Vous pouvez gagner 200 000 euros pour mettre vos darons à l'abri, les amis. Frérot, t'es comment là? T'es comment, mon frérot? C'est que je suis trop content, gros. Je travaille sur ce projet depuis 4 mois, yes, the beat, frère. 4 mois et c'est le jour J, frère. C'est les qualifications. Yeah. Nice, mec. Ce que tu viens de faire, c'est big. Moins 30, moins 26, moins 20. Une balle. Et les 100 duos qualifiés s'affichent juste maintenant, dont moi et Gotaga. On va s'affronter ce soir pour tenter de remporter la Coupe de France de Fortnite. Let's go! Ça y est, mesdames et messieurs, on y est. Bienvenue à tous et à toutes. Installez-vous confortablement, c'est parti. Avant ça, je vous l'ai dit, pour m'accompagner, je ne serai pas seul. Il est là, il est en forme. Du bruit pour Kameto! Oh là là, Kameto! Comment quoi, mon gars? Bienvenue à TikTok Tower, mon pote. Il est ancien joueur professionnel maintenant. Plutôt, directeur e-sportif côté ouais. Fortnite pour Gentlemate. Il est avec nous, c'est Nikov, mesdames et messieurs. Ça va quoi, beau gosse? Ça va et toi? Ça va, ça là, va. Là, on tranquille. Est sur ton terrain, le décor est incroyable. T'as jamais été aussi proche de TikTok Tower. En vrai, c'est méga stylé, hein, je te jure. Avant que les hostilités commencent, je vous l'ai dit, il manque un dernier binôme. On va leur laisser le temps de s'installer aussi. Il ne joue pas à domicile, il faudra le prendre en compte. Quoique Inox, il est quand même pas très loin de la maison. On est parti pour accueillir déjà, s'il vous plaît, le French Monster. Gotaga est avec nous ce soir. Oh là 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 là, ça me rappelle les gros événements Gotaga Show où tu jouais le Royal Rumble. Hey, c'est incroyable le décor. Il nous manque plus qu'à accueillir celui qui a mis tout ça en place. Cette Coupe de France, elle n'aurait pas existé sans lui cette année. C'est InoxTag! InoxTag le conquérant! Il a grandi en regardant Gotaga faire de la compétition. Il stresse déjà, ça se voit là. Aujourd'hui, il est à ses côtés pour justement se battre et peut-être nous proposer un beau résultat. C'est ce qu'on vous souhaite, messieurs, même si on l'a dit. Attention, 49 duos qualifiés à la goutte. Vous êtes le seul duo invité. Est-ce qu'on peut attendre la même chose de vous que les autres? Pas sûr. Je pense que ce soir, on va jouer contre des mecs très forts. Je pense que c'est la crème de la crème de la France. Moi, ce soir, mon but, c'est de jouer bien, correctement, de ne pas faire d'erreur. Maintenant, si les gens sont meilleurs que nous, on le sait, mais le but c'est de jouer au maximum de nous-mêmes. Ça, pas de pression, on n'est pas favori ou quoi. Pas de pression, on n'est pas favori. On est là pour kiffer. Quoi qu'il, Gotha, si tu fais une connerie ou quoi, je crierai pas. Merci mon ref, merci. C'est vraiment un mec sympa. Je crois que c'est le début de la game. Oh bordel, ça va démarrer les amis, c'est parti. Et on est directement sur InoxTag et Gotaga pour voir un peu leur spawn. Et je vois un ping Pleasant Park. On va lever les doigts comme ça, on va être vraiment chaud. Oui. En fait, ce qu'ils ont mis, c'est qu'ils vont atterrir sur le ping rouge, qu'on appelle un pixel drop. Ce qui leur permet normalement, si c'est bien calculé et bien maîtrisé, d'atterrir parfaitement à leur spawn. Qui est du coup, je pense, si on s'en rend bien compte maintenant, le motel. Ouf, voilà. Pour le moment, ils ont pas l'air d'être contestés. Donc c'est une très très belle, une très très bonne nouvelle. Tetris, c'est bien. Potassian et Sneezy qui sont posés sur eux. Oh, c'est terminé pour One Last Hit Box. Wow, top 42. Anéantir dans les airs là. Fais un petit tour aussi côté Gotaga, mais rapidement. Est-ce qu'il est toujours en vie? Est-ce qu'il est encore en vie? Ouais. Est-ce qu'il va bien? En tout cas, il était encore en vie. Dans sa cabane. Dans sa cabane. À Loot Lake. Dans sa cabane. Tranquille. Il marque des points, French Monster, hein, en faisant ça, parce que chaque top récupéré. De toute façon, il a pas fait grand point. Ouh, attention parce que Gotha est juste à côté d'Emir. Les deux joueurs qui sont solo. Emir qui a perdu Kirwa aussi. Ils sont juste côte à côte sur la maison. Regardez les points. Ouais. Juste en haut là. Ils sont un bisou carrément. Cachés les deux. À mon avis, Gotha a l'information, mais c'est beaucoup trop risqué pour lui d'aller sortir et tenter son duel. Est-ce qu'il oulala, oulala, le laser. Ils l'ont pas vu venir alors que Gotaga fait son kill. Il a fait son kill, je crois, sur Emir. Hein. Effectivement. Bah, c'était le seul dans la zone avec lui. Premier point pour l'équipe Gotaga InoxTag ce soir. Ça arrive en grappin sur lui. Il a failli.
Il y a les mecs de l'île volante qui vont potentiellement lui tirer dessus. Faut vite plonger, faut pas prendre de dégâts. Oh, on a seulement 46 HP, un HP. Oh, une balle. Ah, ça vise bien, ça vise très très bien. Et je crois que le kill est récupéré par Egrem et Floki qui, du coup, ont le top de l'île volante. Oh, justement. La zone elle est très dure hein, parce que là c'est une zone avec de l'eau. On est à Loot Lake. Donc ceux qui n'ont pas de cover, alors là il n'y a aucune protection là. Mais là, regarde ceux qui volent autour du rocher. C'est bientôt fini. Ils commencent à se faire allumer, ils commencent à tomber comme bientôt coup. Fini. C'est pas mal ce que fait Esti. Hein. Esti, je rappelle que c'était eux qui avaient fait la petite pasté. Esti qui a un très bon show d'Esti. Oh Esti qui continue. Qui continue. En plus, il a une chug, il va se mettre bien. Ils se sont fait discret. Les mecs de l'île volante qui sont justement obligés d'aller atterrir. Sauf que tu atterris où? Bah là où il y a de la place. T'atterris où? Il y a des ports de pas. Là où tu pouvais, t'essayes de trouver une place. Tu viens de tomber dans Il a raison, là t'arrives beaucoup trop tard, hein, les gars. Là ça arrive après la bataille, ça tombe dans les airs. Et tu vois, ça y a tombe comme des petites mouches. Énormément de gens qu'on connaît pas les pseudos, donc certes. Et là dans 10 secondes, c'est le début de la moving zone. Donc là plus personne peut se cacher. C'est aussi maintenant qu'on va voir beaucoup de gens utiliser des failles. Vous allez voir, ça va beaucoup temporiser. On va essayer de gratter le plus de top possible. On est déjà top 8. Hein. Ouais, ça va très vite. Pas de sniper qui garde la hauteur, pas de sniper. Très malin, ils étaient placés avant les autres. L'intelligence de jeu, l'expérience, la maturité. Revenir ça après autant d'années de pause pour justement remettre les gens au coup du jour. Ça va rush directement. Non, y'a plus de pas, y'a le peu dans la faille. Attention. Oh, pas de sniper. Celle-là, est-ce qu'il pourra la voir? Il y en avait une autre. Tout le monde est dans les airs. Mais c'est n'importe quoi. Tout le monde est en train de voler. Mais battez-vous. Y'a personne qui peut tirer. Ça va atterrir là, ça va bientôt atterrir. Et ça refaille encore, il y a 200 000 balles. Et ça refaille et tout le monde profite des failles de tout le monde. Oh, Floki et Grem, ils sont trop bien. Okay. Tu vois là, ils ont l'intelligence de se poser avant tout le monde, de poser un fort de poche. Et là, regarde maintenant, c'est eux qui vont dominer. Ils vont tirer sur absolument tout le monde. Oh, il y a le plus grand pigeon. Et ça fait enfin, du côté de Chopin. Attention, il faut réussir ces balles là, il faut réussir ces balles. Il y a tellement de monde qui atterrit. Ils vont tous arriver d'un coup. Il y a tellement de monde qui atterrit. Il y a plus de failles. Il y a plus de failles. Ils sont bloqués, il y a une faille encore. Est-ce que ça va la prendre? Ça les reprend en boucle. Qui continue leur massacre? Est-ce qu'ils vont faire le top 1? Ils en sont pas loin. Non, c'est même pas, il y a combien de gens en vie? Je crois qu'il reste 2 ou 3 teams. Ça fait que tomber, ça fait que tomber. Et surtout là, il y a plein de mecs solo encore. Il y a plus de failles là, mais il y a un grappin encore. Mais il va pas servir à grand chose ce grappin. Les failles, il y en a pas à l'infini les amis. Va falloir se battre. Est-ce qu'on se bat? Bah, le massacre. Le massacre. Il est déchaîné. Ça fait trop longtemps qu'on l'a vu sur le côté. EGRF qui vient de tomber, X-Wiz, Bastard Sniper qui est tombé face à PXRT. Et du coup, c'est Floki. C'est Floki qui va te faire l'opération du siècle. Floki pour les soins, c'est le top 1. Le top 1 de Floki. Les Solari vont être meilleurs. Justement un nouveau nom qui marque cette Coupe de France dès la première game. Bravo à toi sous le regard d'Inoxtag qui est choqué de ce late game. Hey Nikov, tu m'as pas dit c'était de la folie les fins de game comme ça. J'avais le cul, il était serré frère. Vous voyez, ça prenait des failles et tout. Là vous avez vu l'étendue technique d'un late game comme ça. Alors après on était dans un endroit particulier où c'était très ouvert. Ouais. Tu peux pas te cacher dans un arbre, tu peux pas te cacher dans une maison, il y avait pas tout ça. Ça t'a donné ce spectacle. Toi tu l'avais anticipé, le faille sur faille en boucle. Et en fait dans les airs tu te fais oublier, t'es juste oh regarde le choriste, tu vois. Et vu que c'est des zones mouvantes, ça sert à rien de se poser et de fort de poche. Bah comment s'est passé du coup Gotha, Inox, vous, cette première game? On a vu le kill de Gotha. Et Petra, frérot, j'arrive, je loot mon bail, je vais dans la mine, je vois, ça a pas été loot. Je dis à Gotha, c'est bon, ça a pas été loot. J'arrive en bas, j'entends le coffre, c'est bon, on est bien. Deux mecs sur le coffre qui m'attendent comme ça, triple pompe dans la gueule. Trop naïf. D'après Nikov, c'est préparé à l'avant. Ah, frérot, ce que je lui ai dit direct, je lui ai dit, t'en fais pas, tu peux rien y faire. Ça fait partie des rotations, ça fait partie du baptême. Voilà, je sais pas, le baptême du tryhard. D'ailleurs, on est parti sur la deuxième game, ça repart. Et alors, parce que là, Noirelier qui se dirige tout simplement sur le spawn de Gotha, faut vite avoir l'information. Gotha, non, il y a l'information. Oh, c'est. Il y a une autre du hasard, ça. Ok, ça commence à tirer. Je te laisse pas faire. Oh là là, ça y va. Très bien, mon Gotha Gatsu. Il est dans le monde. Il est pas trop fort, une balle. Allez, aïe. Oh mon face à Inox. Il reste que Inox. Il avait un HP en face. Ils avaient. Il était à deux doigts de le tuer. Ils peuvent pas se plaindre, on pourra pas leur. Oula, attention. On va le push, hein. Il est blanc, on va prendre son duel. Du côté de Podasai, on est 1v1 pour le moment. Il vient prendre le kill. Il reste Adam, hein. C'est le mec de Adam qui est sur la colline. Et Adam qui vient c'est de trouver Parsnesi, les deux kills ont été récupérés. C'est réglé. Très belle opération, mais attention parce que derrière on voit les deux joueurs là-bas. Ah. Oh là là, ça fait mal. On a toujours un sniper. Hein. Après, ça va, ils ont pu se mettre safe là. Ils vont pas tenter. C'est trop bien. Mais Snazy, j'adore. Il glisse sur la map. Mais surtout la crispité du gars, tu vois. Les gars, ils glissent. Allez. Oh là là, et ça touche. Oh là là, Snazy. Mais attention, parce que là, tu vois, si on push, on a Shadox là-bas qui est très très bien. Il y a toujours un autre problème. Et on a l'information, ok, tu vois, ça a été pingé sur la map. On a vu les joueurs, du coup, on cancel complètement le fight. On sait que peu importe si on les tue, ça va être très compliqué d'aller chercher et ça va être très risqué surtout. Se bat de sniper, toujours en vie, attention parce que la respawn qui a été mise, justement ça fait un gros bordel
tout le monde prend les focus un petit peu. Il y a deux gens partout, il est tombé. Non, X-Wiz, t'es obligé de le laisser. Tu vois la répulsive, hein, tu l'as dit, hein. Ça met un bordel monstre dans l'équipe. Des petites lignes. Ah, mais il est encore là, mon gars. Inattendu. Je pensais qu'il était mort depuis tout à l'heure, on l'a pas vu. T'as pas craint en lui, regarde, il est là. Mais il est encore là. Rookie, King Kong. Il tient mon rookie, cache-toi, mon gars. Ils arrivent, ils sont méchants. Ah, eux. Putain, mais j'aimerais bien le voir tirer un peu aussi. Non, mais il a pas tiré encore. Là, il va falloir bouger pour pas mal de gens là, dont King Kong Rookie. Ceux qui sont déjà en zone sont très bien. Double chug. Oh, ça annonce un gros combat. Ça se prépare avant la fin. Je te le dis là quand ça double. Oh, s'il te plaît. Tiré plus en main là. Après, ils en ont pas besoin là. Ils en ont pas besoin. Faut juste tenter. Ça va pas. Là, il va se faire allumer. Oh, on l'a. Très bien. What bang bang. Oh, oh, oh. Non mais. Wesh. Oh. Très très bien. What la de. Waouh. Il reste quelques secondes, regarde tout, personne tire. Tout le monde se regarde un peu, il y a quelques mecs qui se mettent de la pression à gauche. Ah là, les pauvres en fait. Ah là, on le. Ah, force à vous, force tout le monde va vous allumer. Kings qui va tomber plus qu'une balle, il tombe. Ah, il s'est bien battu le soldat. Et là, ça commence un fight à gauche là. Profitez la blaster là, c'est bon. Non, non. Qu'est-ce que t'as fait? Et là, c'est parti les frères, c'est parti, il reste encore 15 joueurs dans cette game. Qui va prendre la deuxième game? Il passe en direct en train de prendre la position. Attention, one last, il arrive dans le dos. Il va prendre un premier kill, non pas encore s'il l'a eu. Pour lui. Le frère est précis. Ah, je vais porter l'œil. Ouais. Attends, parce que là il peut vraiment mettre une défensive de fou. Mais One Last qui est en top hauteur avec son shoot, ça peut être juste. Ah, mais là, ils sont pas en zone, hein. Ouais, mais là, ils faut descendre, ils ont pas le temps d'en profiter. Ils ont pas le temps d'en profiter. Ça va pas, ça va pas, y'a un mec, il a. Très bon placement de One Last. J'en veux encore, il y avait la répulsive en main. Qui était prêt à la dégainer? Il la garde pour le meilleur moment. Sur la faille. Oh, c'est là, il reste 3 duos, les gars. 3 duos. Ils n'ont plus de faille, les autres. Du coup, c'est pas répulsif. Il est sauvé, Tout le monde s'embrouille pendant que One Last se repositionne. Ils sont royales parce que là, les deux équipes sont en se battre et eux, ils vont juste prendre la hauteur. Mesdames et messieurs, le sniper d'élite est en place. Le sniper d'élite est en place. Attention, prêt à dégainer, prêt à dégainer. Vive le flash. Oh là 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 là. 18 game référence. Là, il y a du Puntos là. Oh là, c'est. T'es en parlant de 18 kills, est-ce que tu peux rêver mieux? Non, sincèrement, je pense que ce sera la game. Comme ça, c'était chaud d'avoir. À quel point c'était une perve de fou, tu vois? Parce que moi, je regarde pas beaucoup de compétitions. C'est vraiment chaud. Ça sera la meilleure game de la soirée. Attends, mais. Et les amis, je crois qu'on est sur la troisième game. Ça part. Enfin, je crois qu'il est tout seul. Mais il va l'attraper là, ça va se tuer. Attention, parce que le tiroir. Il a un HP. Et là, c'est les affaires de Noir Elier. Oh bah oui. Et ils viennent de récupérer tous les kills. Ça ramasse déjà. Il va se cacher là dans le petit cabanon. Hein. C'est une game bourbier ça pour Blaster. Ah bah, c'est ah là, il a plus son destin là, entre les mains. Ouais. Et ça pourrait faire les affaires hein, de Sneezy et Poda qui savent. Je crois qu'il est tout seul. On l'a vu sur Ota justement. Oh ouais, ça vient juste. Oh là là, on laisse pas plus de poche. Encore une fois, mesdames et messieurs, quand tu prépares ton tournoi, quand t'as tes setups, ils sont laser. Le jeu est plus clair pour terre. C'est bien fort ici. Beaucoup plus qu'il faut faire. Gola. Oh. Ils veulent aller prendre un pas. Oh, faut être sûr de soi. Il a dit qu'on attaque son plan. Le Talidax, c'est maintenant. Allez! On a allumé. Ils étaient deux. Bien joué quand même en face. Frérot, hein. Tiré du top. Ouais, mais ça va arriver, je le sens. Attends, mais là, ça peut être très malin. Hein. J'ai l'impression qu'on a l'information, on va les push tout ça. Ouais, ils savent. Regarde, dès qu'il y a un mec qui est mort, attention, pas prendre trop de dégâts de chute, mon pote. Ouais, oulala. Là là. Allez, lâche ça. Oh, il s'est fait perdre! Non! Attention! Oh, Flo qui a deux doigts de l'exploit. Oh, il y a deux doigts de l'exploit. Une de plus et c'était la fin. Après, c'est un 1v2. Il est bien ici. Ah, il est vu. Oh non, panique pas. Oh, il y va. Il est fou. Oh, il aura niqué leur game. D'où qu'il est dans la zone. Okay, c'est là, bon, ils ont pu survivre, mais ils sont dans la merde là. Et ils sont royales. Excusez ma sniper sur la colline. Ils sont royales de ouf. Personne peut les bouger. Kite, il a essayé en mourant, mais il a pas réussi. Reste 11 joueurs, hein. Un petit peu moins que la game d'avant. Et là, c'est le moment où tout le monde va faire, etc. Mais on est dans la moving zone. Tout le monde est dans les airs. On a des duos aussi qui sont en train de prendre le contrôle du low ground. Il veut juste sauver X-Squeeze, X-Squeeze, il se met la terre. Il va refire. Là on a refire, mais regarde, Bass Sniper aussi qui va se voir refire, mais les deux sont très low, on a plus de shield, on a plus rien. Il y a une chug, mais jamais tu peux l'utiliser Là, c'est... Vous le voyez le classement justement sur l'écran, ça vous permet de voir un peu qui a besoin de points. Ça a un HP là-bas, est-ce que ça décide de pêcher? Ça décide de pêcher. Le call qui est parti. DKS, il va tomber. On a les répulsifs. Le fond de gauche. Le deux. Bass Sniper. Bass Sniper. Il va survivre encore. 43 HP, oh ça va être dur, oh, ça va être dur. Il a le temps, il tente. Si elle passe, c'est incroyable. Il tente. Il a le temps. Alors qu'il y a encore 5 personnes debout. Attends, on a le vocal, je crois, Est-ce qu'il attend de mettre la check? Il attend. Bah
Non. Il a un HP, il a un HP, il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps. T'as pas eu le temps de mettre ta grotte, dommage. Dommage, Box, ça va dans les airs. Sociane, comment il a fait depuis ta l'heure? Sociane, il s'est fait oublier. Il est pas pour les amis. Depuis ta l'heure, il est dans le blanc, ça fait au moins 5 minutes. J'ai eu les scènes de. Ouais, bon, là, pour sa vie. Et ça va finir là-dessus. Bravo à Jules, bravo. Sniper, la scène d'élite. Seconde. Attends, mais tu sais que Zocial pour l'instant est un peu. Franchement, le connaissant, et je sais que c'est pas non plus au niveau de Xus Batsaver, mais s'il est très fort en no build, franchement, le voir à un niveau comme ça, c'est vraiment pas mal. Tu sais qu'il a, il était dans le blanc depuis. Mais oui, mais il est tout seul. Mais seul, seul. Ouais, seul et dans le blanc depuis. On a le classement. Tiens, je crois que j'ai l'info, on a le classement. Alors, et là, ça devient sérieux. Voilà. Wow, serré de fou. Voilà. 139, 136, 133, j'adore ça. Ça annonce une belle soirée. Et tu vois, au final, regarde. Tout le monde a ça. Ça rapporte beaucoup, tu vois. Sur pas TV Inox. Le niveau est stratosphérique, ah bah enfin. Mais on en veut juste une. Ça s'améliore, Game of Thrones. Franchement, on n'est pas dernier. Tu veux une quoi? Je veux voler en planeur à la fin quand les zones elles sont. Ah, ok, et où est-ce qu'on va? T'as ton stuff déjà, c'est pas trop mal. Est-ce que c'est pas sur Kota? C'est Kota? Allez. Ils ont un HP. Allez, champion. Il est down. Allez, champion. Avec Inox juste derrière lui. Avec Inox Stack. Inox Stack, il est bien. Le revers d'une vie, Inox Stack. C'est Kota, leur premier vrai 2v2. Il est très fort là-dedans, Bad Sniper. C'est vraiment un ascenseur. Oh, le garage. Oh, le trap. Oh, le trap. Non. Oh, le trap dans la maison. Ah. Coucou. C'est cramé. Floki en face 2. Floki en face 2. Ça fait très très vite. Le fight. Attention, mais beaucoup de dégâts. La grosse base. Floki. Floki. Floki qui se fait respecter. Floki qui se fait respecter. Il a pris une grosse balle. Plus un haut. Plus un haut. Là, là, et Floki et Grim qui tombent. Et là, c'est terrible parce que eux étaient très bien au classement. Ouais, ouais, ouais. Wow, le nombre de kills par contre. Attention, attention, ça se tue. Ça se. Ça c'est la guerre. Et là, il y a One Last et Jokes aussi qui sont très bien placés. Une balle sur Psychose. Il est au sol. Psychose. Ah, il a été volé par, par Sudeli. Attention à pas trop s'approcher. Allez, go, go, go. Allez, mon frère, il y a vie. Oui, là, oh, il arrive. Il arrive à monter. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il a droite. Il a failli. Ok, il va récupérer du heal, mais oh, il est pas mal. King Kong. En face, il s'est sauté dessus. Il s'est plus que derrière, il prenait au 3, c'est ça? Non, 5, il prend 5. Mais gros, faut y aller là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, pas comme ça, gros. Tu passes de 2 à 5. 5 secondes. Il a le temps, mais faut bouger là. Là, il a le grappin instant, mais grappin où? Il a pas de faille. Il a les répus, allez vite. Faut y aller, frère. Faut y aller, gros. Allez, frérot. Il veut garder. C'est un ouf. Faut y aller, frère. C'est un ouf. Oh, il a vu un coup dépassé. Pour ça. Ah bah ouais. C'est vraiment l'action. Ah, le non, et moi il me régale. Mais il a gratté là les points, t'as raison. Il a gratté de... Là en vrai on rigole mais il pouvait pas faire grand chose. La top Potter, qui va la prendre la top Potter? Non, non, il y a son teammate encore en haut. On voit que la position quand même fait beaucoup 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 hein. Encore une fois c'est souvent l'équipe de Wallace, celle de Bad Sniper. Oh, et là bon, regardez mon sang. Ça va faire direct, on va pas se repositionner avant tout le monde. Attention, One Last Stand très très bien. Et Bad Sniper, ils sont morts, hein. Du coup, c'est vraiment parfait pour One Last Stand. Oui, le scénario une grosse avance là. Ils sont déjà top 9, c'est beaucoup de points déjà. Et... Oh, le tout le monde qui retombe, tout le monde qui retombe. Et ouais, regarde, je sais pas, il avait. One Last qui prend un kill. Et là, il va se régaler. Ouais, ouais. Là, c'est là. Oh, il s'est attendu, il s'est attendu, là, c'est mort. Oh. Non, mais c'est même là. Oh, il l'a jeté. Il a jeté dans la zone, peut-être pour assurer le kill. Finissez-le s'il vous plaît. Et Blaster qui n'est pas mort, jamais il a pu se faire réanimer. Il va se faire rien. Oh non, il est répu en main. C'est encore mieux, je peux lancer. Je sais pas qui se dérive. Ouais, mais on va la répu. Lox. On va la répu. Lox, c'est son duo qui va gagner. Lox. Oh, c'est terrible. Il a réussi à réanimer. Oh. Il a réanimé, la scène a loué. Il va me répu, il va gratter des. Il veut se cacher dans l'arbre. Il gagne du temps. Dans l'arbre, frérot. Il gagne du temps. Blaster, il a encore en vie. Blaster, il a encore en vie. Qui vient? Il a un HP. Deux. Il est là un HP. Là, oh hey, ils ont tellement gratté. C'est des 1v1, il y a que des mecs solo. Il y a que des mecs solo. C'est pas fini. MQ. C'est pas fini. Félix. Oh, il est trop bien là. Oh, Nacho. Regarde Nacho. Nacho. Dans la merde. Qui se fait oublier? Qui va il va gratter un HP. Il va le faire. Mais Nacho se fait oublier en bas. Encore. Non, oh non, Nacho. Il est où Nacho? Il est en bas. La zone est volée. Oh, c'est terrible. Il a pas le choix, faut qu'il descende. Ah, il l'a vu. Faut qu'il descende. Oh 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 oh, non, il a mis la vitesse. Et ma mais il a fait... Ouais, là, oh, le greedy. Red kill. Mais il lui a slide dessus, gros. Il avait pas le choix. Directement les deux pieds sur le crâne. Le
classement va être tellement serré. Oui, on voit le classement tout de suite. Et t'es nouveau deuxième. Ah, 180 points, toujours One Last Dogs premier. Cinquième game. Et oui, ça continue. On y est, messieurs dames. Ah, le HP, j'ai entendu. On y est. Le mec qui a un HP, Inox peut-être pour le clutch. Les deux. Ah là. Il faut aller sauver. Il y a un tunnel au-dessus. Oh là là, attention, on fout Bibi et Artegas. Et tu vois, Egrem Flucky, ils sont sur l'île, ils font pas bouger, frère. Ouais, mais du coup, ça surprend parce que. Aidez, hein. Eux, ils sont en train de regarder leur barre de vie quand même, de temps en temps, non? Ouais, on a pas le temps. Mais on a mort. Ça passe pas, il se passe pas le temps. Les gars, ils sont en haut. Les deux. Oh, il va sortir de la zone. Je te dis. Ouais, je l'ai dit. Dis comme ça va. Ouais, j'ai eu peur. Non, mais. C'est vrai que je t'ai jamais vu réagir comme ça là. Qui a été rajouté avec la visage de Dira. Attention, le gars, on a pris beaucoup de dégâts du coup. La faille, c'est pareil. Eux, ils visent le titre de la game. Regarde tous les mecs dans l'arbre. Regarde tous les mecs dans l'arbre. Le moment de se lever, les mecs. Ils vont dans le même arbre. Eux, ils visent le titre de champion de France. Il y avait quelqu'un dans ça. Il s'est fait repousser de l'arbre. Jox. Voilà ce sol. Voilà ce qui tombe. Jox, c'est pas seul. Il a dit que c'est un scénario avec lui. C'est écrit comme ça. Comment? Il l'a même pas vu. Il le jette. Surtout qu'il vient de faire un boucan là, Jox. Mais en fait, l'arbre t'es trop bien caché dans un arbre. Et il a une faille encore. Gentlemate, moi, attends justement de te libérer la pression pour commencer à montrer de quoi il est réellement capable. Dégainer la vie. Il a fait 9 kills. Ça fait 9 kills. Ça va faire 10, mesdames et messieurs. Là, la guerre, elle est sacrée. Il reste 3 mecs. Et regarde le nombre de mecs qui restent encore en vie. Tout le monde est faillé en main. Ça va en faire des gens dans les airs. Et là, tout le monde attend. Le silence. Ouais. Écoute le silence de la game. C'est vrai qu'il y a un silence qui fait peur, frère. Tous les vocales sont allumés hein, de tous les joueurs. Hein. La moving zone qui est partie, et là ça va faille à tout va. Regarde tous les mecs qui vont chercher la faille, regarde. Ah, ça se voit que ça c'est. Tout le monde veut gratter la faille. Oh là là là. Établi. Mesdames et messieurs, bienvenue pour la Coupe de France. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tout se passe dans les airs. Ce qui compte, c'est de choisir le bon positionnement et arriver très vite. Directement, on vient pas d'un justement. Arriver dans le dos, ça va arriver. Et encore, encore, Podastai et Stacy qui vont continuer sur leur bonne lancée. Avec cette ambiance, cette coordination. C'est qu'un HP Stacy qui tombe. Il y a tout qui tombe de tous les côtés. Il faut prendre la faille vite. On va repartir. Deuxième rotation de faille. Ça tanque. Vous voyez, on reprend la faille. Les duos avec la Croix-Rouge, tu vois avec Croix-Rouge, c'est qu'ils sont morts, donc il reste encore le top 2 encore dans la game. Il reste le deuxième. Il reste le top 2 aussi. Là, c'est le top 12, là, c'est le top 12. Ils peuvent rapprocher. Mais attention, il reste Podastai aussi là-dedans. Et Podastai, c'est pas n'importe qui. Tout le monde va atterrir. Ouais, c'est où est-ce qu'il est? Il reste la place. Il faut que quelqu'un faille. Oh, c'est très malin. Il faut oublier Podastai. Il peut faire mal, là. Il va aller chercher le temps, mais Podastai. Encore! Oh, oh le down! Ça vient par devant! Oh, derrière! Il cherche 14! Podastai, mesdames et messieurs, pour les gentlemen! Il se régale, attention! Il va essayer de laisser son nom dans son bras! Il reste Flucky, Egrem! Il y a Flucky, effectivement! Lane capte pas la game d'avant! Effectivement, ça va relancer le tournoi, je vous l'ai dit! La game va être incroyable! Qu'est-ce qui se passe? Au moins 8 équipes qui vont pouvoir renforcer le monde! Tout le monde est en face! Tout le monde est en face! Tout le monde est en face! On comprend rien! Ma gueule, tu vas refaire un double kill, il en a fait un! Il en a fait un des kills! Improvise, Flucky en HP! Flucky en HP! Ma gueule! Oh! Protégé par le collègue! Il reste 3 joueurs! Un verre! La zone finale! Yayou! Ouais! Mais pour Flucky! Ouais! EGRM! Mais attends, mais là ça relance tout! Il a fait tous les deux un HP, non? Les deux! Tous! Eh, c'était la folie Podastai, le triple shot! Non, mais là, à la fin, il gagne la game avec un HP littéralement! Ouais, un HP! Et juste avant, son mec, il a un HP! Mais non, mais même Flucky, il avait un HP! Ouais, il avait un HP! Kéro, c'est la folie! Les amis! 100 000 euros pour l'équipe qui va remporter ce tournoi, ça change sa vie! Chopin, il est mort! Chopin, fait déjà! Chopin! Attends, mais ils sont spawn où, Gotha? Où est Gotha? Ils sont spawn où? Non, mais ils sont pas allés à Tiltet, ça c'est sûr et certain. Non. Ils sont à l'autre lit! Oh, ils sont déjà en combat! Oh là là, c'est dur! Gotha qui tombe! Oh, avec ton arme, ça va être compliqué! Frérot! Va falloir un miracle! C'est pas de tournoi! Voilà, c'est tombé! Ils sont battus à Tiltet! Quoi? Ils les ont joués, gros! Jox, tout ça! Vous aviez raison! Et oui, c'était la guerre! Vous aviez raison! Il va nous finir! Attendez! Il a 60 HP! Il y a une prime sur sa tête! Il y a une prime! Envoyez vos millions! Il va les 100 000 euros! Si Jox tombe, il y a 100 000 balles qui se libèrent!
pour n'importe qui d'autre. Il est dans la merde. Mais actuellement, ils leur sont promis. Il est dans la merde. Kameto avait raison, il avait vu ça avant tout le monde. Personne m'avait laissé gagner tranquille. Oh ouais, il y a 100 000 balles, gros. Wouah, mais je pense que. Mais attends, mais c'est qui qui a fait ça? Mais c'est Bat Sniper. Mais normalement, c'est Bat Sniper parce que c'est eux qui spawnent là-bas. Il y avait que deux teams là-bas. C'est eux en plus. Il y a que deux teams, ils sont partis. Chopin, c'est Pérez. Oh le roi. Bah, il était tombé, hein. Oui, il le cherche à regarder. Regarde, X-Fuse Bat Sniper, ils ont le kill. C'est eux qui les ont tués. À Tilted, là où tout a commencé. Le cherche. Toujours à Tilted, il regarde quelque chose à ma gueule encore, tout kill. Toujours dans sa cabane. Ma gueule qui fait un carnage. Il y a la fight derrière toi. Ils vont Tilted. Désolé, on assiste beaucoup là-dessus. Actuellement, c'est eux qui gagnent le tournoi. C'est eux qui gagnent. Et regardez la situation dans laquelle il est. Jock, il est encore là. Jock, il gratte des trucs. Il veut gratter. Sustage de zone. Accroupi, bord de zone. On dirait un Bambi, je te jure. C'est vraiment l'histoire d'un Bambi là. Oh, X qui vient de se faire un chatbag. Au barrette par une seule balle. Attends, est-ce qu'ils vont le rush? Bien sûr. Ouais, ça a l'air de bombarder. Il y a pas de faille, faut vite dropper la faille. Faut faille, mon grand. Ouah, ça lui a fait peur. Oh là 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 là, ils sont pires. Ils sont tous tout seuls, frère. Attends, mais dans le top 8, je crois qu'il y a 4 mecs ou 3 mecs tout seuls. Mais attends, mais ça, c'est une dinguerie parce qu'imagine les mecs tout seuls, ils meurent. Il a une faille encore, il a une faille. Oh là là, y a. Bah là, ça va rendre les calculs impossibles. Mais tout le monde va être en survie, frère. Ça va jouer à un Poutos. Skyden aussi, je crois qu'il est un partisan du revive. J'ai ma petite idée sur ce qu'ils sont en train de faire. Tente ou pas? Allez, DKS, pourquoi pas. Ok, il a mis des énormes dégâts là. Ouais. Ah mais il est en train de retirer. Ouh là là. Attention, hein, c'est les deuxièmes. Ouais, c'est le deuxième, le laser. Mais attends, mais c'est le. Il a plus de heal. Mais allez vérifier le PC du gars là. Il a plus de heal. C'est fini. On va voir. Jox, il est mort. Jox, c'est mort aussi. Jox, c'est mort. Jox, c'est mort. Les One Last et deuxième seront pas les champions de France. Les premiers et deuxième sont morts. C'est pas sûr. Si, c'est sûr. One Last et Jox ne seront pas les champions de France. C'est impossible. Mathématiquement, ce n'est pas possible. J'avoue, j'ai des enterres. Je suis. Ouais, vas-y. Surtout, s'il y en a un qui était coupable à Tilted. Ok, squeeze. Il a été réanimé, hein. Ça c'était game, ça. Il a été réanimé, regarde. Et ça c'était game, ouais, ça. Ça c'était ça, c'est game, ça. C'est incroyable, ça. Ils l'ont fait et... Floki qui meurt. Floki qui tombe. Oh mais putain. Et Grem. Mais c'est quoi cette game, gros? Ouais, la game de fou, frère. Survie, fais 3-6. C'est moi qui l'avais porté l'œil cette fois. Mais oui. Non, on a un pouvoir. Et Grem, il est tout seul. Ouais. Pozo pour battre Sniper. Ah, il y a Kirwanier qui sont ici. Il y a Skybato qui sont à gauche. Ça passe. On a un juste en dessous. Mais ça fait un de poche, mais derrière. Il y en a un autre pas. Emir qui s'est fait éliminer. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Les 9e c'est dehors. MXR Mir, oui, effectivement, qui fait une opération extraordinaire. Où est Donado? Non, mon frère, c'est dangereux, gros. C'est dangereux, gros. Mais il a peur de rien. Mais il a peur de rien. Il a peur de rien. Il a peur de rien. Il est mort. Il y a des mecs derrière. Du backstab derrière. Monde de fou. Il y a encore un backstab. Il y a encore un quadruple backstab. Et c'est Azir qui se fait très très bien. Emir aussi. Emir qui tombe. Oh, mais il a pas kill. Ils vont aller chercher un Ragnar. Il n'y a plus que Kiroa dans le duo d'Emir. Mais Krem a survécu, comment c'est possible? Il est là! Il a 2 HP, c'est les deuxièmes de la game, il doit tenir, top 19 pour l'instant. Est-ce que ça suffit? On sait pas encore. Il reste ma gueule, gros, 181 points. Il a juste à gratter, regarde, pour le moment. Et Krem bloqué, qui sont passés top 1. Le scénario, il est aberrant. Là, c'est du jamais vu là. Oh, le scénario, même Chopin. Il reste ma gueule. Il est où ma gueule? Il est là! Mais il est dans le fort. Le scénario final de Zaza. Il est dans le fort depuis tout à l'heure, ma gueule. Mais non, ça fait 10 minutes qu'il est là. Mais je suis pas. Wesh, ma gueule. Mais c'est pas comme ça qu'on devient champion de France. C'est comme ça qu'on devient champion. Ils ont fait 15 kills, gros. Ils sont en train de faire un massage. Ma gueule. Il est mort dessus. Au nom de lui. Je sais pas qui est mort. Blaster. Blaster qui est tout seul aussi. Norelli qui est mort, la squad de Norelli est morte, attention, Blaster. Blaster, c'est devenu le nazi. Il a beaucoup d'HP, mais ses armes vont tomber, il a qu'un kill en plus. Là, il va tomber. C'est devenu la cible. La cible de ma gueule, il est encore là. Ma gueule encore là. Il a pas bougé. Peut-être quand t'es top 6, ma gueule. Ma gueule, il faut bouger maintenant. C'est terminé, Attention! Vas-y, Qu'est-ce qu'il voulait?
Attends, mais tu gagnes, je sais pas. Je sais pas que je pense. Les amis, elle est là, la Coupe de France de Fortnite. Et il y en a un des 100 Français qui a réussi à se qualifier qui va la gagner avec son duo ce soir et qui va aussi remporter 100 000 euros. Le classement est prêt. Oh là là, tu fais du top 10 ou top 1 ? Top 47, mon grand. On est top 47, on est pas dernier. GG dans le chat. Déjà, on peut applaudir Gotaga et Inoxtag. Top 47, pas dernier. C'est plutôt une bonne blague, c'est le moment de savoir qui va remporter cette coupe, qui va repartir avec 100 000 euros à la maison. 5ème top place, 5 et... Blaster avec Noah. Oh là là. Mais attends, mais c'est oh qui top 4. C'est sur RZK. RZK, 3ème place. On y est. Si proche d'être champion de France, mais pourtant, ça reste un très bon nombre. Et voilà. Et bien joué, ils avaient très bien joué. 26 kills alors qu'ils ont fait une game à 18. Mec, 35, je sais pas ce qu'ils ont fait. Bah y'a une game où ils ont tout déchiré. Une grosse game où tu prends beaucoup de points et après juste t'assures. Et les premiers. Et les premiers, c'est Valkyrie. En vrai, tous les participants mérités, je suis trop heureux. Les gars, moi je suis heureux. Merci à vous. Merci Gotha pour l'accompagnement. Merci pour l'invitation et surtout merci pour son tournage. Max de cœur ou quoi? Parce qu'il a pris cher, parce que du coup il a dû prendre des décisions compliquées avec Epic Games, machin, etc. Les bans, le tournoi qui a du retard, machin, etc. Les gars, Inox il se tirait les cheveux clairement. Donc un maximum de cœur, c'est ce qu'il aime bien dire dans le chat. N'hésitez pas, les gars. De cœur. Je suis ému parce que le live que j'ai fait aujourd'hui, c'était quand même un rêve de gosse. C'est vrai que tu viens de. Viens, je te fais un câlin, mec. Tu viens C'était quand même un rêve de gosse. Et bon, bah voilà, prochaine étape, on verra. Bah bravo Inox, on peut clôturer le projet. Bravo, bravo, bravo. Merci. Hâte de voir la suite. T'as envoyé du très très lourd cette mission. Ça sera dur de faire mieux. Et merci le chat, faites-vous des cœurs dans le chat. Je vous laisse. En tout cas, frérot, j'ai rien à dire à part merci. Oh, c'est grâce à vous les frères. Allez, vous en avez eu assez. Franchement.